C'était génial, tu sais. Tu m'as vraiment, vraiment fait plaisir. Merci pour les compliments. Voudras-tu que je revienne encore demain pour te redonner du plaisir? Demain? Demain, je ne pense pas. Mais je te dirai quand je serai libre. N'est-ce pas? Ok. Bye. Est-ce que je peux te parler pour une seconde? Ok, je t'écoute. Comme tu es belle. Oh, merci pour le compliment. Est-ce que je peux avoir une soirée avec toi? Je voudrais te parler pour toi. Oh, désolée, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je viens de m'entretenir avec un gars. Il était très beau et chic. Yeah. Il m'a invité à sortir avec lui ce soir. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai refusé l'invitation. Mais pourquoi donc t'as refusé? Je ne le connais même pas. Anita, pourquoi t'as refusé? Hein? Ces hommes sont des vaches à lait. Comment donc des vaches laitières? Écoute-moi, tu couches avec eux, ils te prennent en charge dans les moindres détails. Habillement, coiffure, nourriture, mais ouvre les yeux, ma petite. Ouvre les yeux, ne sois pas idiote. Et... Tu vas, ma petite, viens. Tu vas. Amida, où est-ce qu'il t'a eu tout cet argent? Cache, madame. Tu sais, si papa te voit, t'es foutu. Et quoi? Tu as volé? Volé? Ça. Oh, ok. Alors, aujourd'hui, je vais avoir quelque chose, je pense. Quoi? Quelque chose sur ça? Oui, tu sais, j'ai pas des sous-vêtements et... Ok. Tourne-toi un peu. Pourquoi? Tourne un peu, vas-y. Vas-y. Et voilà, regarde-toi, des bas à haut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout ce qu'une fille doit avoir pour trouver de l'argent. Alors si tu en veux, va chercher pour toi. Moi je me casse. S'il te plaît, Anita. Celle-ci. Wow. Celle-ci aussi. Isaka de Isaka. Samuel. Vraiment
c'est là aussi. Wow. Wow. Quoi? Un instant. Mais c'est là. Mais bien sûr. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Alors le monde touche à sa fin. Ma liste est longue, mon frère. Bonne infection. Hein? Comment tu la trouves? Alors aujourd'hui on va chanter le cantique Alléluia Amen, n'est-ce pas? Ok. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Alléluia Amen. Alléluia Alléluia Amen. Alléluia Amen. Alléluia Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, tu m'as empêché de regarder ce que je veux. Mais arrête de me fixer comme ça les regards. Qu'est-ce que tu peux dire à celle qui te regarde? Amina. Anita. Hein? Vous faites des bagarres même à l'église. Hein? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec votre comportement. Hein? Ah. Ah. Ça fait honte vraiment. Hein? Ah. Anita! Anita! Oui, papa! Viens ici. J'espère qu'il n'y a plus de place. Non, il n'y en a pas. Bon, va acheter d'autres. Ne traîne pas. D'accord. Et tu sais que j'ai rendez-vous avec mon ami. Salut. Salut. Comment ça va? Je vais bien. Mon visage te dit quelque chose? Bien sûr. On s'est rencontrés la dernière fois sur le chemin de la fontaine. C'est juste. Moi, c'est Isaac. Et toi? Anita. Ah, Anita. Anita, tu sais quoi? Le jour où je te vis, vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Vraiment, je suis tombé amoureux de toi. Alors, je ne sais pas quoi faire. On peut en parler si tu as le temps aujourd'hui ou si on peut en parler aujourd'hui. Les hommes ont des vaches achetées. Oui, d'accord. Est-ce que tu as un téléphone? Non, non, je n'ai pas de téléphone. Alors, je ferai quoi? Comment pour te voir? J'habite dans le quartier. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut y aller? Pas de problème, est-ce que tu peux me montrer là où tu habites? Oui, pas de problème. Pas de problème. Allons-y.
J'ai encore une fois rencontré des gars de l'autre fois. Ah, ah bon? Et il est amoureux de moi. Et alors? Peux-je lui dire oui? Idiote! Mais qu'est-ce que tu attends? Vraiment? Vas-y! Ok. D'accord? D'accord. C'est bon. Bon appétit. Merci. J'ai pas du tout aimé. Mais pourquoi cette attitude? Hein? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces choses-là? Des choses? Quelles choses? Le sexe. Écoute-moi, Anita. Dans le sexe, il y a le plaisir, le bonheur et même la fortune. Tu sais, on pourrait chercher un autre moyen de trouver de l'argent. Ça, c'est très moche, c'est très mal. Quoi? Ok. Comme toi, tu as d'autres moyens. Toi là, tu as d'autres moyens pour trouver de l'argent. Ne touche plus jamais à mes affaires. Jamais. Soyez la bienvenue, ma belle. Merci, chérie.
Chérie? Chérie? Oh, c'est la bienvenue, ma chérie. Tu m'as tellement manqué, hein, tu sais. Hein? J'ai décidé de venir par moi-même. Oh, sois la bienvenue. Qu'est-ce que c'est chez toi? Peu importe. Les gars, ouais. Hein, savez-vous que je suis champion? Sacre. Sacre champion. Bon champion. Champion dans le bêtise. Isaac. Un jour tu vas les répéter. Moi c'est chrétien. Moi, Isaac, c'est ce que je vous dis, pas éliminer des chrétiens dans notre groupe. Vraiment éliminer ces gens. Anita. Anita. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es quoi? Je suis enceinte, papa. Amina m'a orienté vers un homme et il a abusé de moi. Juste pour l'argent, papa. Mais Anita, mais comment abuser? Hein? Dites-moi, comment abuser ma fille? Je suis enceinte, papa, je suis enceinte. Ok, tu viens dans le cabinet du docteur Paul. Je venais d'être en possession de ton résultat de laboratoire. Et en voici les résultats. Mais avant tout... C'est quoi, docteur? Écoute, avant tout, je voulais te dire qu'il ne faut pas t'aviser à contaminer qui que ce soit quand tu te crois malade. Mais docteur, je comprendrai. Donc, ce résultat atteste que tu es atteinte. C'est pour ça que je disais que
est censé utiliser les préservatifs à chaque rapport sexuel. Qu'est-ce que vous dites? Tu dois utiliser les préservatifs ou les condoms à chaque rapport sexuel. Et voilà, si tu n'es pas en mesure de t'abstenir, c'est ce qu'il faut faire. Donc, par là, je voulais te dire que, en communion avec les résultats ici présents, tu es atteinte de VIH-SIDA. Voilà. Comment, docteur, mais non, docteur, ça ne peut pas être vrai. Non, pas quoi. Docteur. Non, docteur, c'est pas vrai, docteur. Mon Dieu, c'est pas vrai. Calme-toi, mademoiselle. Prends courage. Qu'est-ce que je deviens, moi? C'est pas juste, docteur. Non. Amina, qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Pardonne-moi, papa. Pourquoi pardonner? C'est mon rêve, papa. Ah. Amina, de quoi parles-tu? Innocente et l'autre atteinte. C'est comme si les cerfs tombent sur moi. Oh mon Dieu. Ah. Mon Dieu. Je vais mourir. Les sangs de Jésus. Mon ami, le sang de Jésus. Oh 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 mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Alors cet après-midi, on va attendre le message de nos deux sœurs, Amina et Anita. Que nous soyons les bienvenus. Nous sommes devant vous. C'est pour demander pardon à l'Assemblée et à Dieu. Nous avons fait des bêtises. Pourtant, nous servons le Seigneur. Ma sœur et moi sommes ici pour solliciter vos prières et conseils. Oui, je le suis.
Amina, écoute-moi. Ça fait 10 ans que j'ai cette maladie que tu as. Il suffit seulement de respecter les antirétroviraux et de laisser des mauvais comportements, comme l'alcoolisme et la débauche. Quant à toi, Anita, tu n'es plus un enfant. Tu dois être responsable. Ne laisse plus jamais te tromper par qui que ce soit. Ça va aller. Bien sûr. Ah, 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 ah.